tant que Premier ministre, mais aussi en tant qu'un citoyen de ce pays. Je veux dire qu'ici, nous pas adresse problème discrimination entre hommes et femmes dans nos sociétés, y compris violence, mais tout ça, c'est pour qui nous peut faire là, quand nous pensons pour avec le développement, avec le progrès, combien d'initiatives nous pouvons prendre, combien de efforts, combien de sacrifices nous pouvons faire dans le développement économique, politique et social, mais ça va vous servir à rien. Moi, je vais prendre mon rôle dans la politique. Moi, toujours, je vais militer pour qu'il nous donne un sens égal, madame, monsieur. Donc, un critère comme méritocratie. Nous parlons de contributions, et comment dire, sinon, contribution, madame, dit encore, dit énorme. Et nous ne sommes pas capables de vivre continuer d'une société, quand un mari, il pensait, comment dire, du supérieur, et qui, comment dire, sur madame, il y a des esclaves, ou bien il est soumis à sa volonté. Alors, la cause, c'est que je vous dis quelque chose. Jamais, non seulement vous acceptez, mais ma missie qui commet ma violence envers ma madame, tout du monde, elle est responsable. Mais encore plus, du monde qui est dans l'autorité, du monde qui est dans le pouvoir, nous avons une plus grande responsabilité encore. Mais nous nous trouvons dans le passé, il y a du monde qui servit le pouvoir. Il servit le pouvoir pour abuser et prendre l'avantage. Non, pas de madame. Ça a été comportement là. De quelle manière vous voulez avoir ou trouver là du monde? Je ne peux même pas dire, mais voilà, j'ai un premier ministre même, comment lui agir, comment lui faire. Je prends ça, comment dire, comme l'exemple. Et voilà, vous faites la peine avec madame, ici. Pas de zone. On va lui dire ma zone. Un vrai homme, il vient montrer respect. Un vrai homme, si pas un vrai homme, il vient dans le beau. Mais nous visons collaboration de tout ma vie chez nous. Sans autre mentalité. Certain. Comme vous dire, on peut dire ça, on peut dire tout, hein, heureusement. C'est comme ça qu'il veut dans l'espoir dans le pays. Mais vous pouvez dire, autant qu'il faut espérer qu'il y ait un certain madame, je te montrer l'esprit en eux même. Parce que quand on peut faire tout ça là, s'il y a un certain madame, quand il y a un initié qui peut servir de violence, et violence pour me dire, c'est violence physique, violence verbale ou autre. Mais il ne faut pas lui applaudir, il ne faut pas lui dire, ouais, on va être sans même mot. Et au franchement, on trouve un des comportements de certaines madames, vous révoltez, vous vous dire ça aussi. Parce qu'au lieu de montrer qui est désaccord, au lieu de montrer qui ne pas approuver ça, il y a certains, de deux bons comportements, je dégrade ma vie, madame. Philippe Basé, il y a un modèle qui est à l'extérieur, qui commence, c'est un support center pour une madame qui est victime de violence. Et tout le monde, les autres, enfin, pour travailler, pour après, pour tout le monde, les autres types, bien sûr, mais pour commencer, pour une madame qui est victime de violence, que ce soit domestique et non domestique, parce qu'il nous peut dire violence contre madame, c'est tout. Et donc c'est ça. C'est un serait un call center qui peut une hotline qui est là, 139, et qui peut être un service intégré avec lui. Parce qu'il nous parlait qu'une madame de problème, il
peut téléphoner un numéro, la personne. Il peut téléphoner un autre numéro, il peut parler à la personne. Et puis, on vit un service. Et un ministère, il fait travailler un plan. Il peut déjà commencer à travailler un plan, c'est-à-dire, quand il peut amener ça, quand la personne, la victime, peut téléphoner, il peut gagner tout le soutien qu'il a besoin et ne pas rater.